Et nous sommes de retour dans notre magnifique camp. Parti. Alors, on doit faire. Enfin, on doit, non, mais. L'arène. L'arène. On n'y est jamais allé. Je sais pas comment ça fonctionne. Donc, let's go. Alors, hop, on ferme ça. Alors, bienvenue à l'arène locale. Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combattants. Vous n'avez pas le droit de tuer votre adversaire, mais vous. Mais tous les coups sont permis. Ok. 1, 2, 3 champions. Règle spéciale de l'arène, des nuages de poison apparaissent sous toutes les unités chaque fin de round. Alors, règlement. Une équipe est composée de 4 combattants une fois inscrite. Il est impossible de la modifier pour le reste de la compétition. Enchaîner 3 combats d'affilée pour affronter le champion de l'arène et obtenir sa médaille. Un combattant n'ayant plus de santé ne meurt pas, mais est mis immédiatement hors combat. Ah mais du coup, c'est embêtant. Alors, Taurus est très bon. Ah si, si, attendez. Avec les lieutenants, je peux utiliser Kairi. On n'a pas besoin du... Avec les lieutenants, ça fonctionne. Oui, non, mais attends. T'es marrant, toi. Attends. Du coup, on va prendre qui en troisième? 8. En quatrième, pardon, 8. Taurus. Taurus, c'est pas mal. Je crois qu'on va prendre Taurus. Elle, la dresseuse, ça sert à rien de la mettre. Il n'y a pas les animaux, donc ça sert à rien. Hacker fait très mal aussi, c'est pas mal. 8 est bien, mais il fait pas assez de dégâts. Donc je dirais Taurus. On n'a pas vraiment de vrai tank par contre. Enfin, Kairi. Kairi peut. Kairi qui peut tanker. On va voir. Ok. L'exigence doit être engagée. Engagée à la fin du combat. Exigence? Dieste doit être engagée à la fin du round. Ok, je vais voir. Niveau 7, c'est un barbare. Ouh, c'est quoi ça? Alors, premier sort. Dégâts augmentés de 35% contre les unités ennemies dont la santé est intacte. Frappe orgueilleuse. Les dégâts sont doublés si la cible a strictement plus de santé. Plus de santé. Ok. Cible attire jusqu'en mêlée pour l'engager. Cette unité est une condition d'exigence du public. Un grappin. Abordage. Waouh. C'est quoi ces trucs? Putain, mais on rencontre encore du nouveau matos, quoi, c'est ouf. C'est des trucs de... En plus, c'est vraiment des trucs de l'arène. Coup de bouclier. Lui applique fragilité. Ça tue? Trait de gars et la santé, la cible. C'est abusé. Si la cible saigne déjà, les dégâts sont doublés.
Eh ben putain. Ah, on n'a pas la bravoure au max. Faire mal. Lui détruire la garde. Oh, attends. Ah non, c'est ralentissement, c'est pas saignement. J'ai dit. Hors combat, let's go. Ah, ils font mal, hein. Bon, là, ça va, on devrait bien gagner. Ah, on gagne 2, 3 trucs, ok. Ah, il est pas engagé. Si, il est engagé. Yes, on a eu. Nickel. Je crois qu'on a une bonne équipe là. Pas mal. Suite à votre victoire, le public vous adore. Je vais essayer une amélioration pour le reste de la compétition. On doit se réparer ou pas? Alors, force. Compagnon augmente de 10%. La mort d'un ennemi génère un truc. Force. Des PCV sont lâchés dans les arènes chaque fin de round. Continuez.
réparer quand même. Abandonner. Ah non, tu peux pas. Attends, est-ce que je viens de tricher ou pas? Réparer l'armure de cette unité, soigner cette unité. Ah, tu peux choisir, d'accord, ok. Ça marche. Bravoure, bravoure. Ah, mais la bravoure, on l'est au max déjà. Des nuages de poison apparaissent, des rats putréfiés. C'est vachement sympa! C'est vachement sympa. Encore une fois, il rajoute une nouvelle mécanique de jeu, quoi, c'est super. Alors, Gerbav doit subir des dégâts. Piège de poison. Merci. La première fois de ce piège pourrait déclencher et créer un nuage de poison. Mal. Ok, ça leur met du poison, mais moi aussi. Lui, il est ralenti, donc c'est dans un sens. Vache! Putain, sale pute, je peux rien faire. Nickel.
Je peux pas le faire de dégâts, tu te fous de moi. Par contre, ouais, la vue, elle est chiante sur les côtés. Tiens! Il me faut un lieutenant et c'est bon. Ah mais merde, ils ont joué. Non, quoique. Yes, let's go. Pas mal. Alors, dextérité améliorée, réussir une exigence confère 2 supplémentaires. Non, dex. Non, l'équipe ennemie commence le combat avec un pestiféré en tant qu'allié. Va te faire. Alors. Ok. Ah, c'est. C'est sympa. Je crois qu'on va faire tout. Ça pendant tout l'épisode. On va faire ça. Je sais pas si je touche les deux là. Il a aussi du cécité lui. Ouais, d'accord. Non, on va l'affaiblir, mais. Ça va être le même système, il va partir. Non, putain. Ok, on devrait le tuer. Pas exactement. Quarante-quatre alors que je l'ai affaibli. Ah ouais, ils font encore un peu plus mal que la normale quand même. Ah, il est plus en provoque du coup.
Ok. Attends. Soigner, même si je pense pas qu'il va survivre. Ok. Suis en train de me dire, peut-être on peut prendre Lucie. Lucie et elle pourrait tanker pas mal de choses. One shot maintenant, en fait. Ah, c'est presque du one shot tout le temps une fois qu'il est boosté. Ah merde! Taurus peut se faire les deux, honnêtement. Taurus peut se faire les deux. Il a gagné Fureur ou pas? Non. C'est pas grave. Taurus est très très bon. Taurus est très 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 bon. Devrait y arriver. Alors, tous les ennemis débutent le combat sous vulnérabilité. Dégâts critiques au monde de... Ouais, non, vulnérabilité, oui. Alors, on va lui... Non, lui remettre de la vie. Armure, armure. Ok. Ah, je suis content, ça tue! Alors, Pestiféré doit subir des dégâts. Ouais, on verra ça. Donc c'est un élite, c'est ça? Smote. Alors, infligé des dégâts, consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts de 15% par application. On va faire tous les 3 rats alliés tués, cette unité gagne Berserk pendant un round. Dégâts et dégâts subis augmentent de 100%. Ah, on tue les rats et c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut le tuer, le truc. Non, attends, faut que je réfléchisse dans l'ordre.
Il a... Ok, il faudrait faire du will d'abord parce qu'il a de la garde. Je pense qu'il peut être engagé. Je sais pas si Kirik va résister une attaque par contre. Pas mal. Non, on va pas se mettre à côté parce que sinon ça va me foutre dans la merde. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre en plus? Ah bah Méné, elle peut faire fureur. Ah, il a quoi comme bonus? La fureur. Ok. Très bon. Tu me fais chier, toi. Attends, ça. Deux coups. Provocation pour baisser tes dégâts, juste au cas où si tu l'as pas encore. Je crois qu'on est bon. Utiliser le poison consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts de 15%. Ah, c'est bon. Nickel. Bah, c'était bien. Félicitations, vous êtes désormais le nouveau champion de cette arène. Comme le règlement l'exige, vous pouvez repartir avec l'arme de l'ancien champion en Titzmoth. Ce n'est pas tout. Voici la médaille de l'arène officielle. Puisse-t-elle témoigner de votre réussite?
Réunissez les médailles de toutes les arènes de combat et gagnez le droit de participer au grand tournoi. Ça tue, c'est trop bien. Alors, lancer de couteaux empoisonnés, la poudre cécité. Oh, c'est vachement bien ça. Mannequin d'entraînement. Et antidote, cette unité a 50% de chance de résister aux applications de poids. Et après, il y a ça, maîtrise de compétence. Puis ça tue. Oh là là, mais c'est tout. Et c'est trop bien le jeu. C'est trop, trop bien le jeu. Oh la vache. Stop. Requiert niveau 5. Alors, fais voir, toi tu fais 29, 36. 31. Consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts de 15% par application. Ok. Alors, je sais que l'écran de fumée est vachement utile parce que en fait, maintenant on déclenche Kirik à distance. Mais bon, quand on est dans une petite zone, t'as les lieutenants, en fait, ça marche très bien, comme on a fait maintenant. Par contre, j'avoue qu'avec cette dague, donc ça consomme les poisons de la cible et ça augmente 15, de 15%. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que je pense qu'avec Frénésie, effectue deux attaques supplémentaires embuscades. Ouais, mais après, c'est des embuscades. Donc, en fait, tu tapes deux fois. Et tu mets deux, quatre poisons, quoi. Mais bon, après, on a l'empoisonneur avec Orlin. Enfin, à la limite, Orlin, elle peut. Enfin, elle va pas prendre la dague parce que, comme j'ai dit, elle est pas. Elle n'est pas vraiment build en dégâts. Enfin, après, est-ce qu'on peut le. Est-ce qu'on peut la rendre super puissante ou pas? Voleur confirmé, sanguinaire, équipement. Et là, elle a quoi? Ouais, non, non, non. Lui, il a 60% de dégâts critiques, en fait. Non, non, c'est lui qu'il faut. Non, non, c'est à lui de prendre l'épée. La dague, pardon. Non, non, c'est complètement à lui de prendre la dague. Il n'y a pas de problème à ça. C'est complètement à lui. Lui, il peut mettre du poison, de toute façon, Grille attaque dans le dos. Donc à la limite, voilà, il y aura toujours du, il y aura quand même du poison. Et elle, bah avec sa bombe, là, elle pourra faire du poison. Après, je crois qu'on peut le doubler. Double les poisons de toutes les unités dans la zone au début du tour suivant. Applique aveuglement à tous les unités dans la zone. Dégâts des attaques dans le dos augmentent de 20%. Ouais, ça sera pour lui. Non, stratège, honnêtement, c'est trop utile. C'est trop utile pour l'enlever. Vraiment trop utile pour l'enlever. Non, c'est très bien comme ça. Alors. Par contre, ça, je suis en train de me demander, est-ce que Taurus peut pas être amélioré encore? Tourbillon, il y a toutes les unités à la zone. Non.
Cri de guerre, brutalité. 6 mètres la zone. Attire les mêlées à tous les ennemis dans la zone, applique fragilité pendant un tour aux ennemis ainsi désengagés. Bof. Alors attends, on a 1300 parce que je sens que je vais pas lancer tout mon argent en fait. Peux pas voler des choses. 285 et 480. Alors, 50% chance de résister aux applications de poison, c'est intéressant. Alors ça, c'est un mannequin d'entraînement pour notre camp. Ça, c'est de la cécité. Lancer de couteau empoisonné. C'est quoi qui est le plus cher? Truc en jaune. Honnêtement, les 10 bouquins, je les prendrais bien. En vol, mais putain, c'est chaud. Et en plus, ce qui est marrant, ce serait que si on vole tout ça, genre une chance que l'objet volé soit pas considéré comme volé, ce serait marrant. Tu... Ah, mais je me demande comment ça fonctionne, ça. Ne soit pas considéré comme volé, ça veut dire quoi? Genre, on n'a pas besoin de faire de blanchiment et c'est tout, mais par contre, le soupçon continue à monter, parce que si c'est ça, en fait, ça sert à rien. Autant mettre ça. Bah honnêtement, on va tester. Si jamais ça proc, on voit si le soupçon augmente ou pas. Soixante-huit. Objet volé. Cent-quatorze. Ah, on va être recherché un tout petit peu, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, on va se débrouiller. Tout va bien. C'était super. C'était super. Inspecter. Les guerres vous ignorent. Smote vous ignore. Okay. Mais il y a Smote là? Je comprends rien du tout. Ah, c'est comme s'il y avait une... Des gens en fait. Ce... Ok, ça va. Bon, avant de faire n'importe quoi là. Alors. On a alors ça. Ok. Mais honnêtement, je pense que ça c'est plus intéressant hein, quand même de baisser le soupçon là. Je pense que c'est plus intéressant quand même. L'antidote, c'est pas mal. Ça serait bien pour quand on fait les rats. Parce qu'on fait les rats, c'est pas mal. Après, il y a les dagues. Alors apparemment, on peut faire des dagues. Des
des dagues empoisonnées de lancer là. Attends, déjà on a un mannequin d'entraînement. Gain d'expérience de combat augmenté de 5%. Ça tue. Vas-y, on a plein de trucs encore à faire, c'est super. Mannequin d'entraînement. C'est terrible. On a qu'à le mettre là. On va bien le mettre en arrière parce que genre les mecs ils s'entraînent en arrière et tout ça, mais sinon on le voit pas donc bon. Gagner un peu d'expérience pendant le repos. Ah mais il faut mettre quelqu'un. Ok. Bah faudrait mettre quelqu'un qui est un peu en arrière en fait. Non? Tiens, Taurus. Ah, t'as qu'à te combattre. Taurus est vraiment cool. Ah oui, tiens, en parlant de Taurus. Ça, alors. Donc il en a deux. Donc il a ça, critique gain fureur, machin. Et ignore la garde. Déchaînement, ça ignorerait la garde. C'est pas mal. Donc il peut taper les tanks en fait et les défoncer. Et ça c'est... Oh, intéressant. Donc de 30, on passe à 50%. Donc dès que la cible a 50% de vie en moins, enfin 50% ou moins, il y a la folie qui se déclenche. Intéressant ça aussi. Alors, on va faire ignore la garde. Parce que ouais, c'est important ça. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Très impressionnant. Est-ce qu'on a des choses à faire? Ouais, très impressionnant là. C'est pas mal qu'on peut faire. Tout ce qui est couteau et tout ça, là, de empoisonner et tout, ça peut être pas mal aussi. Hein. Vraiment bien. Et surtout, je crois, la bombe de cécité là, ça peut être intéressant. Je sais pas. À chaque fois, j'oublie. Hein. Je vais jamais y arriver. Hein. C'est l'Hérico. Ok, Hérico est mort. Alors, qu'est-ce qui manque? Donc, pas grand-chose. Ouais, nickel, je crois qu'on est bon. Je crois que la prochaine fois, on va tuer hein, des cochons. C'est vraiment bien, la reine. Waouh, les ratops s'aiment bien. Trouver sa question avec mes entraînements, cool.
Ouais, Taurus, c'est bien. Je pense qu'on avait une bonne équipe, là. On avait une très bonne équipe. Ok. Ouais, il nous faut plus d'humains. On va faire la quête à côté. Pourquoi ils sont rouges? C'est censé être une quête facile. C'est bizarre parce que la dernière fois, je crois qu'ils étaient gris, hein. C'est quoi ça? Oh, fragment d'objet précieux. Yes, ça tue ça. Alors, je suis encore sous le coup de l'émotion, je pensais pas le revoir vivant. Ça alors, vous êtes venus, faites comme chez vous, vous faites partie de la famille maintenant. Mon frère m'a dit que vous l'aviez sauvé, j'en prie, très reconnaissant, merci. Pourquoi ils sont rouges, les... Notre cible, je pense que c'est un bug. Je les ai vus changer de couleur aussi. Quand on a fait, avant de faire la... L'arène. Quand on est sorti de l'arène. C'est bizarre. Ça devrait pas nous poser de problème pourtant. On va voir. Non, ça va pas nous poser de problème. Hein. Non, je crois que c'est juste un glitch. Ouais, c'est juste un glitch. Ici. Ouais, je pense que c'est bon. Je sais qu'on n'est pas sur le bon, mais c'est pas grave. Très bien.
Nickel. Et combien de force? 34. Ouais, mais elle a beaucoup. Stabilisation. Là aussi. Il y a le chef qu'on n'a pas bloqué, mais c'est pas grave. Ah, le dégagement par la force, c'est relou quand même. À peine 10 quoi. On pourrait partir, mais j'ai envie de tester Hacker qui est là. Ok. Ah, oh, merde. Je peux pas le. Bon bah. On attrite alors. C'est pas vraiment la bonne, mais... Ah putain, c'est un truc de merde. Là. Alors, fais voir, il y a 3 stacks de poison. Alors, en théorie, il devrait faire très mal. 45. 87. 86. Ouais, il lui a enlevé le poison et fait plus de dégâts. Cool. Pas mal. Pas mal. Ça veut dire qu'il y a d'autres arènes quand même. Je suis en train de réfléchir à l'arène. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, en théorie... Donc ça, maintenant, ça devrait faire quand même beaucoup plus de dégâts. Ouais. Ah, j'aurais dû engager avec... Bah, c'est pas grave. Mais ouais. Intéressant. D'accord. Après, je me demande si Lucie...
pour les arènes comme ça. Est-ce que Lucis serait pas vraiment intéressant? Bon, après, il faut faire des dégâts aussi. Mais quoique, dans un sens, en fait, ce qu'il faut faire avec Lucis, c'est comme je disais, là, faut vraiment lui booster la force. La chance de subir les coups critiques réduite. Garde avec un bouclier, résilient. Résiste à l'application poison, fine lame. Elle a que des bons trucs hein, en plus. Elle a vraiment que des bons trucs. Elle a beaucoup de constitution. Et ce qu'on lui montrera, c'est vraiment force à fond et. Ouais, force et mouvement, quoi. Vraiment, c'est que ça, quoi. Ouh, 72. Yo! Chance de coup critique lors d'une attaque dans le dos augmenté de 5%. Cool. Ça serait bien que les chasseurs, là, ils peuvent booster, ou je sais pas trop quoi, les animaux. Genre les dégâts des animaux. Ah, mais après, elle va avoir une habilité pour ça. Elle leur donne boue. Je sais pas ce qu'elle leur donne. Genre fureur, ou je sais pas quoi. Là par contre en main gauche on commence à avoir beaucoup de choses. Ça me fait plaisir. Faut qu'on aille à la ville principale là et qu'on aille crafter des choses. Même les sangliers sont super résistants. Pam 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 pam. Ah tiens, le cheval lui a poussé tout le monde. Enfin, le plus qu'il peut en tout cas. Alors t'es poney. Alors, c'est l'heure de mourir. Ouais, je pense qu'elle, elle peut être vraiment limite invincible, j'ai envie de dire. Dans du. Dans de l'arène. Enfin, j'en sais rien. Je pense qu'encore une fois que notre équipe était vraiment bien faite. Oh.
joué. Très bien joué. Alors, ils sont où le reste? Alors, Taurus. Ça, le 5... Après, quand on pourrait encore augmenter, c'est 50%, genre à partir de 50%, le... Il augmente les dégâts, là. Ça aussi, ça va devenir très très solide. Ça. Ouh. Armoire de la garde. C'est du lourd. 72 d'armure. Bon bah. Ouais, on a trouvé mieux. Bon, lui, il va rester avec ça. Ouais, c'est 95 de toute façon. Pas mal, on peut même lui mettre une petite petite pierre. Pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'on était on est recherché. Alors, c'est quoi ça? Ok. Je me suis dit c'est un piège. Ouais, là là je suis. Je suis super dedans là en fait. J'ai vraiment envie d'optimiser chaque personnage et tout ça. Mais c'est compliqué quoi. Ça coûte cher. Toujours cette hache, j'hésite à vendre. Mais ouais, ça va coûter cher en fait à chaque fois. Honnêtement, faudrait arriver à un point où la garde, on n'en a plus vraiment grand chose à faire et te leur voler. Genre 5 livres d'un coup, ce serait intéressant. Mais bon, voilà quoi. C'est de 205 à 300. Ah, fais voir un peu la dague. Pour l'augmenter. De 19, ça passe à 26 de dex. C'est chaud quand même. Ouais, c'est 430, merde. C'est un peu beaucoup. Après, respécialisation, je suis pas trop certain que ce soit utile. Je veux bien reprendre un livre en fait. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut prendre. Alors, le G inflige 20 dégâts à toutes les unités dans la zone et leur applique saignement. Ah, ça fait saignement à tout le monde en fait maintenant. Ok. Et là, c'est quoi? Pendant un round, il y a 40% de chance d'être des coups critiques. Ouh, intéressant. Toi, t'as quoi? Tous les animaux alliés adjacents à la cible gagnent fureur et l'attaque avec une attaque d'opportunité. C'est pas mal aussi, ça. Soigne 5% de la santé maximum des animaux alliés à la fin de son tour. Quoi? Genre, tous les animaux? Ça c'est intéressant ça. De 4 mètres ça passe à 6 mètres.
Chaque fois qu'un allié adjacent attaque, mais... Ouais, plus de dégâts. Là, il y a quoi? 10 mètres la zone. Et c'est 3 tours. Tant que cette unité est sous effet de bonus, les attaques appliquent affaiblissement. Comment ça? Là, il y a, en fait, le pendant un tour, ça s'enlève, donc c'est affaiblissement genre tout le temps. Putain, mais c'est pété. Les ennemis n'étant pas engagés sont repoussés de 2 mètres. Et là, le poison appliqué est propagé aux ennemis adjacents à la cible. What the fuck? Ah, on peut... y a qu'une variante, ok, d'accord. Il n'y a qu'un seul niveau en fait par habilité, ça marche. Alors Lucie. Si l'unité est déjà affaiblie, lui applique également vulnérabilité. Ça c'est pas mal ça. Ça, s'il y a au moins un 4, elle a également brutalité. Putain. Applique vulnérabilité à celle déjà empoisonnée. Oh la vache. Vulnérabilité, ça c'est vraiment sympa quoi. Alors, lance réflexe. Puis réinitialise le mouvement. Ouh. Ça, c'est intéressant. Il y a trop de trucs, hein. Il y a trop de trucs intéressants. Je sais pas du tout quoi prendre. Genre là, ça fait saignement sur tout le monde. Par contre, je pense que prendre ça, mettre des bêtes là, augmenter 5% à tous les HP des animaux. Ça, c'est parce que nous, on en a beaucoup. Puis 5%, honnêtement, c'est pas mal. Même sur, genre sur un ours, c'est 5% de ses HP qui sont déjà à 644. Voilà quoi. Ouais, mettre des bêtes augmentées. Magnifique. Vraiment, vraiment bien. On avait quelque chose à faire au forgeron, je me rappelle plus. Ah, du charbon moins cher. Je crois qu'on avait des choses à forger. Nouvelle chose. Non, je crois que pour les merde, c'est pas ça. Pour les couteaux de lancer, c'est l'alchimie, c'est ça? Couteau de lancer empoisonné. Critique 3%. Donc il faut des couteaux de lancer. Ok. Et après, c'était quoi? C'était des bombes. Bah, poudre aveuglante, c'est cité. Se désengage.
Je sais pas si c'est vraiment utile parce qu'avec. Enfin, si, c'est un désengagement en fait sans utiliser de bravoure. Parce que nous, on a la bravoure, genre les dash là. Ça nous désengage automatiquement. Mais j'avoue que oui, non, là, ça serait gratuit en fait. Couteau de lancer empoisonné. Je dirais pas non pour lui en fait. Faut voir. Faut voir quand on sera à la grande ville pour forger les trucs. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah mais j'ai pas de minerai en fait. Laisse tomber. Fait, je peux rien faire. Je regrette, mais j'ai pas le temps pour une audience. Et au ravage, blablabla, ça marche. Mais il est. L'apothicaire, il est mort. T'es pas au courant? On l'a trouvé. On va rentrer à la ville. Oh la vache. Ah les mecs qui attendaient dans la forêt, quoi. Par contre, il y a un truc. Bah, dans la forêt, on peut se balader. Mais il y a là l'enquête de la fraternité. C'était quoi ça déjà? Ça. Enquête sur le meurtre à travers Grimir. C'est où le meurtre? Trouver le refuge des Brigands à Tiltren. Il y avait un refuge, il y a un truc là, non? On a fait Tiltren en long, en large et en travers. Ouais, faut qu'on rentre à la ville principale quand même. On a tous les sangliers qui sont gras. Ah oui, par contre, attends, ça c'est la costaud. Je dirais ça. Excusez-moi, je fais juste des petits détails de changement. Voilà. Parce que ça, c'est celle qu'on va garder. C'est notre main, en fait. Ça, je pense qu'on va garder. On a toujours des bestioles, de toute façon. Non, je commence à bien aimer le fait d'avoir des bestioles. Puis honnêtement, maintenant on n'a plus besoin de sel pour faire toutes les. Putain, on n'a plus que 300 argent. Vache. On n'a plus besoin de sel en fait. Attends, on va. Ok. 42. Ouais, le fait de plus avoir besoin de sel, donc on peut tout préparer. Sans aucun problème. Ça, je trouve ça un peu abusé. Enfin, c'est top, quoi. C'est complètement top.
Nickel. Ouais, ça change la donne, quoi. Hein. Après, il y a des trucs en fait à récupérer dans le jeu. Genre en premier, quoi. Genre, on va faire du speedrun. Alors, comment être OP en moins d'une heure? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est genre ça, hein. Comment être OP en moins d'une heure en fait. Enfin, les trucs les plus utiles. Genre, faire moins un de sel, c'est alors méga utile, c'est un truc incroyable. Oh la vache. Moi, je peux mettre des gouttes. Mais j'adore le jeu. Taurus, il gagne un peu d'expérience en plus. Bah tiens. Nickel. Nickel. Alors. Taurus, t'as un peu un mouvement de merde. Bon, tu nous fais chier. Tu veux pas monter... Tu veux pas monter le mouvement, c'est ça? Je suis désolé, mais... Ah, ça me fait chier, mais... Mais le mouvement, c'est important et nous, ça nous fout dans la merde. Niveau 7. On met Orline ou Lucie. Pour qu'elle aussi elle monte niveau un peu plus vite. On reste sur 1. Je sais pas ça par contre. Ce serait qu'au niveau 8, ils ont une nouvelle habilité. C'est vrai que ça avait quoi? Les attaques ignorent 5% de la garde ennemie. Après avoir subi deux attaques, cette unité gagne déviation. Intéressant. Face à face. Tant qu'aucune autre unité n'est adjacente à cette unité ou à son adversaire engagé, à la rivalité. Dégâts subis causés par adversaire engagé réduit de 5%. Non, c'est pas intéressant ça. Ah, brise garde, c'est mieux. Elle, si elle arrive au niveau 8. On aura ça, la flèche perforante. Ben, son arc, il est devenu tellement bien aussi, le tir sauvage. Là. Mais bon, c'est la seule arme spéciale qu'on peut pas équiper pour l'instant. Parce qu'il faut le niveau. Ils sont plus ou moins tous pareils. Ceux qui sont pas encore niveau 7, en fait, c'est ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Taurus. Ouais, on peut mettre... Ah, j'aime pas cette forêt, on dit sa gueule. On peut mettre Orline ou Lucie, c'est pareil.
Juste pour rattraper le retard en fait. Ouais, c'est pas mal. Let's go. Ils veulent quoi, eux? Alors. Ah oui. J'ai une compétence à vie de dégâts, 30% chance d'appliquer brûlure. Je crois qu'on a besoin d'argent. Peut-être faire un peu le débile là. Oh, c'est qui ça? Des déserteurs. Peut-être aller à la prison aussi. Ça serait pas mal. Pour virer des mecs. Pas vu. Non. Pas mettre les mecs, mais baisser notre recherche aussi. J'approche tout le monde en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que c'est tout ça? Let's go! Et merde. Voilà. Petite bombe. Pardon. C'était pas voulu. Dans un sens, maintenant on a appris. On a appris que sa dague pouvait déclencher pouvait complètement déclencher l'attaque. Mais bon. Putain, fait chier quoi. Ah, j'avoue que ça me fait un peu chier.
va se mettre devant pour protéger. Et il faut bloquer l'archer juste au cas où. Mais elle est pas morte grâce à la... Grâce à la volonté, on est d'accord. Ok, ça marche. Quelle merde. Oh, qu'est-ce qu'elle est horrible cette forêt là, les sifflements. Oh, ils sont affreux. Là. Putain de dégâts. Ah oui, merde. C'est vrai que de faire son dash, c'est... Voilà. Ça me rend fou, ce sifflement. Ah bah tiens, j'étais en train de réfléchir en fait ce qu'on a augmenté. Oui, mais c'est le. C'est. C'est son habilité là pour les animaux. Ah putain, il est pas. Il était pas en joue. Il était pas engagé. On en a eu deux, hein, deux mecs, hein, je crois. Non, fais voir. Genre, l'allée à la 154. Ah, c'est la fin de son tour à elle. J'ai pas fait attention du coup. Oh, t'es sérieux.
Ouais, mais là, tu vas me le tuer, là. Ouais, je vois pas pourquoi je... Je vois pas pourquoi je suis surpris, en fait. Flèche incendiaire. Ouh, on a un nouvel arc. Ouais, ça va. Elle devait vraiment l'apprécier, du coup elle l'apprécie un peu moins. Non, il devait être en plus 1. Maintenant, il est plus. Il est plus là. Adore. Les meilleurs amis obtiennent des bonus lorsqu'ils interagissent ensemble dans le camp ou dans le combat. D'accord. Ça va, c'est cool. Par contre, on a un nouvel. Du coup, on vendra le. On vendra le vieux. Ok. Allez, on retourne vers la ville. Ah putain, c'est vrai que j'ai plus d'argent, moi, merde. Quel con. Fallait pas que j'achète les livres et tout ça, vous voyez, c'est ça le problème. Vraiment fait le con. Alors, fais voir. Invasion de rame, comme je dis, je veux pas la faire maintenant. C'est quoi ça? Les ailes de la troupe. Ouais, pour les affaires et contrebandiers qui réclament sa disparition rapide et définitive. Clan recherche avidement 4 fois de l'argent. On offre le prix fort. Alexa Grattan. Selon les rumeurs, l'ancienne colonel Alexa Grattan se trouvait dans cette province. La région offre une grosse récompense pour sa tête. Je me demande si on peut pas la faire celle-là. C'est un boss, hein, mais. Ah, de toute façon, on va devoir s'arrêter. Va devoir s'arrêter ici. Ah oui, j'avais dit que. Voilà, celui-là. Bon, ça va, on est à 700. On a plein de graisse, non? Pas tellement, en fait. On peut peut-être aller faire le boss. Ah! Enfin, un épéiste avec Dex en plus, quoi.
Sert à rien du tout. Mais c'est encore un rôdeur. Donc, je dirais pas non pour le boss. On va voir. On va voir ça. Qu'est-ce que je pourrais vendre pour me faire un tout petit peu d'argent? Ah, oh, j'ai le fragment d'objet mystérieux aussi. Attendez. Je vais le mettre maintenant parce que sinon je vais complètement oublier. Hop là. Et il est où machin? Torte, il est là. On a que 3. J'avoue que ces remèdes sont vachement bien. Tiens. Alcoolique. Ça serait une facilité à te voir si ça marche, là, l'intelligence tactique. Ah, oui, normalement oui, mais... Alors, on voulait forger peut-être des couteaux, c'est ça? Je crois... Mais j'ai pas de métal. Mais très, 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 très peu. On va voir l'alchimiste. On va faire l'alchimiste et tout ça, puis après on va s'arrêter là. Puis la prochaine fois, il faut vendre. Non. Oui, ça si, si, si. Faut vendre nos mecs qu'on a. Qu'on transporte. Et on va peut-être faire le boss. Ça, on est à 20. Et ça, 3. Pomme infectieux, antidote. Préparer une imprimante, renom. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Alors après, on a les bombes à main. On en a encore 40, donc ça va. Fiole incendie en 16 à 12. La poudre aveuglante. C'est pas mal. Couteau de lancer empoisonné. Ah, il faut du. Des trucs de marée. On s'appelle des persils des marais. Oula. Ah, quand c'est des objets rares, hein, il y a beaucoup plus de chances de quoi de récupérer des trucs. Les fioles incendiaires aussi, hein. Peuvent être vachement intéressantes quand on fait les rats. Tout ce qui est feu, hein, au final, hein, vraiment. Genre, on peut mettre de l'onguent ignifugé un peu partout sur notre équipe et après foutre le feu vraiment partout, quoi. C'est un moyen.
Comment on peut se faire de l'argent, non? Ça. 66. C'est combien le steak cuit? Ça, c'est 3 là. Parce que nous, maintenant, le steak cuit, enfin le porc là, mais nous on le paye pas. Enfin, on le. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? On n'utilise pas de sel. Le porc grillé. Je vais voir le marché aussi. Donc ça c'est 3. Il est où? 6. Ah, c'est pas mal, hein. On double le prix. Là on peut se faire 120 pièces. On peut se faire facilement 120 pièces. Vraiment, vraiment bien. Ok, on va s'arrêter là. Je pense, je vais réfléchir, je vais voir si on fait le boss ou pas. Si je me sens d'attaque la prochaine fois ou pas. Faut voir. Faut voir, faut voir. Je pense que notre équipe, honnêtement, peut le faire. Parce que là, on y devient vraiment. De toute façon, ce sera des mécaniques encore nouvelles. Hein. Des mécaniques encore nouvelles. On avait eu un mec qu'on pouvait pas engager, genre qui faisait extrêmement mal, qui était seul. Après, on avait un mec avec des animaux et tout. C'est intéressant hein, à chaque fois. Ah oui, il y a elle, il faudrait lui mettre une pierre. Faut que j'apprenne aussi pour aller farmer des canines là, des dents là, des crocs, voilà, des crocs. Pour avoir les différents renforts là chez les trackers, les trappeurs. Il faut un minerai de fer. Ah attends, je crois ils en vendent. Je crois que elle en vend. Ouais, un minerai. Après, on peut revenir un peu dans l'ancienne. Ouais, on peut peut-être revenir un peu aussi à Mildred, au plein centre. Comme ça, on peut se refaire un peu d'aplomb. Genre un peu d'argent à droite à gauche, très vite. Renfort de serre. Comme ça. Parce qu'elle en a besoin, c'est pour sa force. Voilà, 24. Nickel. Bon. On verra ça la prochaine fois. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.